J'observe et je découvre. Observe la photo. Que vois-tu? Je vois un champ, un agriculteur sur sa machine, des bottes de paille, c'est la campagne. Selon toi, de quoi va parler le texte? Le texte va parler de la campagne peut-être, des moissons, de l'agriculture, de la moissonneuse. Lecture. L'agriculture. Pendant des milliers d'années, pour se nourrir, l'homme a vécu de cueillette, de pêche et de chasse. Ensuite, il a domestiqué des animaux, puis il a cultivé le sol, c'est la naissance de l'agriculture. Tous les pays pratiquent l'agriculture. Lorsqu'elle utilise des techniques traditionnelles, l'agriculture se pratique surtout à la main. Cela nécessite une main-d'œuvre importante. On trouve ce type d'agriculture traditionnelle dans les pays pauvres. Ces produits sont destinés à l'alimentation locale. Aujourd'hui, l'agriculture tire parti des progrès technologiques, machines, outils, produits chimiques. Elle fournit en abondance des produits traités et commercialisés par de grandes entreprises. Celles-ci transforment les produits agricoles en produits alimentaires. On trouve ce type d'agriculture dans les pays riches. Lecture. L'agriculture. Pendant des milliers d'années, pour se nourrir, l'homme a vécu de cueillette, de pêche et de chasse. Ensuite, il a domestiqué des animaux, puis il a cultivé le sol, c'est la naissance de l'agriculture. Tous les pays pratiquent l'agriculture. Lorsqu'elle utilise des techniques traditionnelles, l'agriculture se pratique surtout à la main. Cela nécessite une main-d'œuvre importante. On trouve ce type d'agriculture traditionnelle dans les pays pauvres. Ces produits sont destinés à l'alimentation locale. Aujourd'hui, l'agriculture tire parti des progrès technologiques, machines, outils, produits chimiques. Elle fournit en abondance des produits traités et commercialisés par de grandes entreprises. Celles-ci transforment les produits agricoles en produits alimentaires. On trouve ce type d'agriculture dans les pays riches. Je comprends. Se nourrir, manger des aliments pour vivre. Domestiquer, rendre domestique un animal sauvage. L'agriculture, activité de l'homme qui vise à produire des aliments en travaillant le sol. En abondance, en très grande quantité. Je lis et je comprends. Numérote ces informations selon l'ordre du texte. L'homme cultive la terre. L'homme se nourrit de cueillettes, de pêche et de chasse. L'homme domestique des animaux sauvages.
Coche les phrases vraies selon le texte. On trouve l'agriculture dans tous les pays du monde. L'agriculture traditionnelle utilise des machines. L'agriculture moderne se développe dans les pays riches. Dans l'agriculture traditionnelle, pourquoi faut-il beaucoup d'ouvriers? Car l'agriculture traditionnelle se pratique à la main. Je lis et j'écris. Ce texte est composé de combien de paragraphes? Trois paragraphes. Souligne dans le texte le passage qui informe sur l'un. Traitement et la vente des produits agricoles modernes. Quelle information as-tu retenue? Écris une phrase. Il y a une différence entre l'agriculture traditionnelle et l'agriculture moderne. Je m'évalue. Comment est née l'agriculture d'après le texte que tu as lu? L'agriculture naît de la culture du sol. Quelle est la différence entre l'agriculture traditionnelle et l'agriculture moderne? L'agriculture traditionnelle utilise la main-d'œuvre et l'agriculture moderne utilise des machines. فضلا وليس أمرا ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة فهذا يدعمنا كثيرا.